putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, j'ai oublié tout ce qui s'est passé, mon dieu. Je me réveille enfin de ce calvaire. Où est-ce qu'il est mon équipage? C'est pas possible, j'ai perdu tout le monde. Mon dieu, un grand capitaine comme moi qui perd son équipage. J'espère que personne m'a entendu. Au moins mon bateau est toujours là. Allez, c'est parti. J'espère que toutes mes affaires sont à l'intérieur. J'espère que... qu'on m'a rien volé. Mais je le connais ce type, ça me dit quelque chose. Paquebo Escobar? Qui va là? C'est moi, le capitaine Falco, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es muet? Tu es muet, cher individu? Capitaine, c'est-à-dire que c'est une surprise de vous revoir? Mais tout pareil pour moi, t'as vu les autres? Ils sont dans le coin par hasard? Capitaine, ça va faire au moins une demi-douzaine de jours qu'on vous attend. Tout le monde est parti? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai plus aucun souvenir. Mais pas moi, capitaine, parce que je vous aime le plus. Chouette, je suis trop heureux de te revoir. Paquebot Escobar, c'est un bonheur. Ça me donne envie de danser, capitaine. Oh, chouette, c'est génial. Mais où sont tes vêtements? Il me semblait que t'étais plus vêtu que ça la dernière fois que je t'ai vu. Je les ai perdus, capitaine. Ça fait rien. Mais j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé d'une légende d'un certain capitaine maudit qui rôderait sur les mers de Sea of Thieves et qui serait très dangereux. C'était comme un cauchemar un peu réel. Voilà, écoutez, capitaine, serait n'importe qui d'autre que vous, je lui dirais d'aller se faire un peu voir parce que c'est clairement un peu n'importe quoi, mais je vous fais entièrement confiance, capitaine. Mais tu trouves pas ça bizarre? Je fais jamais de cauchemar, moi c'est moi le cauchemar des autres normalement. Négatif. Comment ça? Je fais peur un peu. Pardon, capitaine, je suis vraiment navré. Je vais réfléchir à ce que j'ai dit. Très bien. En attendant, dis-moi où sont les autres, qu'on reforme un équipage solide et fier qu'on trépasse les mers avec les... Allez-y, capitaine, vous pouvez le faire, vous êtes toujours si charismatique. Attends, il faut que je me remette de mes émotions, j'ai pas eu mon café. J'allais dire que si on retrouve les autres, on pourra reformer l'équipage grand, fort et machiavélique que nous sommes et que nous avons toujours été, n'est-ce pas, Paquebot? Oui, capitaine. Mais écoutez, les autres sont... Allez! Vous savez... Je compte sur vous, vous avez dit que vous saviez où ils étaient et qu'on m'attendait, non? Oui, c'est-à-dire que les autres ont pas voulu me dire où ils allaient. Ils m'ont dit que si je les suivais, j'allais me faire frapper. Mais bon, c'est parce qu'ils m'ont dit aussi que c'était pour mon bien, donc... Ah, bon, bah tant mieux alors. Attendez, j'entends des chants des oiseaux comme si quelqu'un venait d'offrir un sub à cette chaîne Twitch. Bref, revenons à nos moutons. Je comprends rien ce que je dis non plus, c'est très bizarre. Je suis dans un mood assez spécial. Bon, cela soit dit en passant, on risque pas de retrouver les autres si on reste figé ici sur cette... Ah, j'entends encore ce chant d'oiseau étrange. Attendez, il faut que je me calme un peu. Vous savez quoi? Je viens de faire une sieste énorme, mais j'ai besoin encore de dormir un peu. Je vous suggère de trouver un cap. Le temps que je me repose. Les oiseaux, là. Pour commencer, pendant que vous vous reposez, moi je vais lever l'ancre, tout seul. C'est bien, Pablo, Paquebot. Pourquoi t'appeler Pablo? Tu t'appelles Paquebot, ce qui est bizarre d'ailleurs. Vous confondez tout le temps mon nom. Enfin bref. C'est un peu humiliant quand même, parce qu'on se connaît depuis tout petit, mais... Oui, c'est ça, exactement. Depuis... Qui c'est ce type, déjà? Enfin bref. Capitaine, vous avez dit quoi? Tout ça... Non, je suis en train de réfléchir, là, à voix haute. C'est presque terminé. C'est très long. Ok, bon, bref. C'est parti. Mettons le cap sur la dernière île que je me souviens où avoir vu les amis que nous avions. À savoir, Barclay Bay. Dites-moi sur la carte, par où on va, mon cher ami Paquebot? Je crois que c'est déjà indiqué. Ce serait un indice? Je crois que oui. Dis donc, capitaine. Ouais, ça veut dire qu'on doit aller... Pourquoi est-ce qu'il masque ce mec? Sud-ouest. Où sont les autres? Sud-ouest. Ok, très bien. Sud-sud-ouest. Vous savez que c'est un galion plutôt compliqué à manœuvrer lorsque nous ne sommes que deux.
Mais. Écoutez, capitaine, je crois que le pouvoir de l'amitié peut faire beaucoup de choses. Ah oui, bien sûr. Faisons alors. Il est grand temps de mettre le cap sur nos amis. Nos très chers J'ai amis. déployé à moitié les voiles. Chouette, merci pour votre aide. Je n'y serais jamais arrivé sans vous, mon cher paquebot. Je ne laisserai personne vous dire que vous êtes un mauvais matelot. Quand j'entends ça, capitaine, je suis certain de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Ah, c'est tout ce que et je voulais entendre. Comme ça. C'est tout ce que je voulais entendre, mon cher ami. Je Mettons le cap sur Barclay Bay et retrouvons nos amis. C'est la première chose à faire car vous savez, ces mers sont très tumultueuses depuis peu et je crains qu'à deux nous ne puissions faire le poids face au monde, même si je suis un capitaine exceptionnel, évidemment. Évidemment, capitaine. Pour moi, il n'y a rien qui peut nous arriver. Excusez-moi à part le fait, pour. Capitaine, que là, on va vraiment pas dans la bonne direction, c'est sud-sud-ouest. C'est exactement par là que je vous. Allez, allons-y. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ, capitaine. Décidément, vous écoutez rien. Vous savez, je suis très perturbé. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris la mer. J'entends des oiseaux dans mon crâne comme dans mes rêves et je sais qu'il n'y a pas eu de bruit d'oiseaux, mais je crois qu'il n'y en aura plus jusqu'à la fin de cette très belle soirée que nous commençons ensemble, car ça perturbe mon oreille interne. Aucun souci, voilà. Capitaine. Je vous ferai des massages d'oreille interne. Seulement si vous êtes qualifié pour le faire. Capitaine, on peut presque dire que j'ai fait ça toute ta vie. Très bien, très très bien. Après, je dois avouer que ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué ensemble et je suis plus à l'aise quand on me tutoie et qu'on me met sur un pied d'égalité car je ne suis pas un pirate, un capitaine malfaisant et oppressant pour les autres. Capitaine, vous et moi ne serons jamais sur un pied d'égalité. Ah, bon bah... Vous êtes le meilleur. Tant mieux. Bon, continue de me vouvoyer si ça te chante, mais si ça tu alternes entre les deux. Les autres, en revanche, capitaine. D'accord, très bien. Oh, mais vous me prévenez même pas qu'il y a une île juste devant. Vous voulez qu'on se crache, c'est ça? Vous allez rire. On va possiblement se crash. N'importe quoi, je suis le capitaine de ce navire, je suis le meilleur pilote qui existe, il n'y a pas de crash possible. Il y a un crash. Réparez-moi ce bateau tout de suite. Capitaine. Encore un crash. Ah, un troisième, c'est génial pour commencer. En plus, il fait super beau, ça, c'est top. Génial. Vous allez rire, capitaine. Je commence à y couper. Très bien, ça commence bien. J'espère en tout cas que nous sommes dans la bonne direction. Mais d'où vient ce rire? Mais qui j'entends des voix, c'est très étrange. De quoi, capitaine? J'ai cru entendre quelqu'un rire dans mes oreilles. Écoutez, je suis perturbé. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la mer. J'espère que vous direz à personne que je suis complètement perdu en ce moment. C'est notre petit secret, paquebot Escobar, d'accord? On ne dira à personne que je suis autant perturbé par cette reprise. Jamais, capitaine, je ne trahirai la confiance que vous avez su m'accorder. Génial, on fait comme ça. Faut que j'aille vers le sud parce que là, je suis en train de dévier, c'est n'importe quoi. Allons vers le sud. Je faisais difficilement vous le dire. Vous m'êtes d'une très grande utilité, en tout cas, sachez-le. Je sais, capitaine. Simple chose, capitaine. Je ne trouve pas les planches. Elles sont dans le tonneau à planches, tout simplement. Commence pas à me faire regretter à cette décision de t'avoir pris dans mon équipage. Capitaine, vous pouvez compter sur moi, vous le savez. Bien sûr, évidemment. Tu sais, j'avais un choix immense sur cette île où je me suis réveillé après des mois de coma. J'avais des choix plus que immenses. J'ai fini par te choisir toi. Tu vois, c'est parce que je compte sur toi et tes talents, tes multiples talents. J'avais peur que vous m'ayez choisi un peu par défaut et l'empreinte de votre bouche, ça me fait vraiment quelque chose. Pas de soucis, alors bah dans ce cas-là... Ouais. Dans ce cas-là, toutes mes paroles sont des bonnes paroles, tu le sais, je ne prêche jamais le mensonge, tu me connais. Évidemment, capitaine. Vous avez toute ma confiance. Très bien, au moins ça c'est fait. J'espère que le cap va suivre parce que je commence à avoir des sueurs froides à l'idée de traverser les mers à tes côtés, juste toi et moi sur ce bateau. Mais capitaine, il fait super chaud. Vous avez vu ce temps médiocre? C'est pas ce que je dirais un temps agréable pour les navigations, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
On risque pas de se faire embêter par le soleil, n'est-ce pas? Il fait un froid de canard en ce capitaine. Moment. Vous êtes le meilleur capitaine. Et exactement, voilà, c'est tout à fait ce que j'avais en tête. Bon, sud-sud-ouest pour le prochain cap. Et tout ira bien. Très bien, capitaine. Le bateau est réparé, j'ai pas allé vérifier, évidemment. Capitaine, comment est-ce que vous pourriez ne pas avoir confiance en moi? Non, mais ce sont des formalités, tu sais bien. Je me remets tranquillement de mes esprits. Je pense que je serai plus à l'aise dans l'exercice du capitaine et de la navigation quand je me serai complètement remis de ce choc que j'ai vécu. J'ai un background et j'ai une charge mentale immense. J'espère que tu en es conscient. Capitaine, je suis totalement conscient. La pause m'a fait du bien. Et je vous promets que jamais je n'abuserai de ce savoir. Chouette, j'aime entendre ça. J'espère que vous avez bien lustré les canons en mon absence. Capitaine, tous les canons sont chargés et prêts à tirer. Chouette. Tous les jours, 4 fois. Attention parce que nous allons passer près d'un fort si je ne m'abuse, il s'agit bien d'un fort. On ne sait jamais quelle créature rôde sur ces forts. En général, je préfère qu'ils restent loin de chez moi. Ce sont des personnes que je n'apprécie guère. Ouais, moi aussi, capitaine. Oh, regardez, ça commence déjà. Ça nous tire dessus. Est-ce qu'on aura fait quelque chose de mal? Je ne crois pas. Non, bien sûr que non, capitaine. Vite, vous êtes vite. Pourquoi est-ce que... Oh, attention, prêt à riposter au cas où. Je ne vais pas tolérer que ces individus que je ne connais pas et qui viennent sur mon territoire me prêtent toutes mes affaires. Attention. En tout cas, ils tirent très mal, capitaine. En tout cas, oui, ça c'est sûr qu'ils savent pas viser. Hein. Ils savent pas faire grand-chose, de toute façon, ceux-là. Bon. Est-ce qu'on approche bientôt de notre première île? Parce que j'ai l'impression que ça va pas être la même limonade. On y est presque, capitaine. C'est l'île en face. Chouette. Il devrait y avoir un tout petit îlot en face. Monte sur la proue, je vais vous dire ça. Arrêtez de tirer! Ah, effectivement. Fous, capitaine. J'ai quelques souvenirs qui me reviennent. Je crois que j'ai des souvenirs de cette île, la dernière fois que j'ai vu mes amis. Alors, c'est là qu'il faut aller, capitaine. Ça tombe bien. Allons-y. Le cap est parfait. Je commence à réduire la voilure, capitaine. Ah, merci. Vous savez ce qui me peine le plus entre avoir perdu mon équipage et avoir perdu mes fidèles compagnons, à savoir Tilius et Donkey Kong? Franchement, ce qui me pèse le plus, c'est d'avoir perdu Donkey Kong et Tidius. C'était des braves petites bêtes. Comprends, capitaine. J'aimerais tellement pouvoir remplacer Donkey Kong dans le cœur du capitaine. T'as dit quelque chose? J'ai repris les voiles, capitaine. Comme vous les aimez. Ah, merci. J'ai eu peu peur plus. Pendant un moment. Écoutez, la vitesse me semble plutôt pertinente. Vérifiez tout de même que c'est la bonne île, parce que je n'aimerais pas me tromper dès la première... Des premiers abordages, ce serait assez ridicule de la part d'un grand capitaine de renom tel que moi. Non, c'est bien elle. Très bien, remontez-moi toutes les voiles avant, ainsi que celle du milieu, et je m'occupe de garer le bateau. Immédiatement, capitaine. Vous savez, en tant que capitaine qui a une très grande charge mentale, j'aimerais qu'on me remplace plus de fois qu'à l'accoutumée pour ce qui est de pilotage de navire. Je comprends, capitaine. Vous avez une telle charge mentale que je ne peux que respecter cette volonté. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour moi. Je vais peut-être devoir repartir en pause dans pas longtemps. C'est ça qui me chagrine. Toute cette charge mentale. Capitaine. Allez, c'est parti. Allons retrouver nos amis sur cette île. Satané sirène. J'ai plus de balles. Comment ça, je commence avec des balles vides? Je suis vraiment un capitaine débordé par la charge mentale. Capitaine, vous êtes un vrai héros. J'espère que vous en avez conscience. Merci, c'est tout ce que je veux entendre. Il y a une caisse de stockage quasiment pleine ici, c'est un miracle! Protège-moi. Oh, capitaine, oui, de suite. Hé, hey, pourquoi tu retournes sur le bateau? J'arrive, capitaine. Elle m'a blessé, cette créature! Retourne chez toi! C'est pas ton pays ici! Capitaine. Ah, c'est bon. Si on avait des élections, je sais pour qui vous voudriez avec ce genre d'élections. Je vois pas du tout. Il n'y a pas de rapport, ce sont des sirènes maléfiques, enfin. Ils n'ont pas fini de nous prendre notre travail, celle-là. Enfin bref. Oh, regardez, j'ai trouvé plein de coffres. Et non seulement on va retrouver nos amis, mais en plus de ça, on risque de se faire une petite fortune avec tout ça. Ouais,
Comme vous dites, capitaine. Oh, des jolis crânes. C'est merveilleux, j'aime les crânes. Mettez tout ça en évidence. Il est grand temps de retrouver nos amis. Eh, d'ailleurs, regardez, j'ai trouvé cette carte. On est d'accord que c'est la bonne île où nous sommes, n'est-ce pas? Capitaine, ça ressemble... Attendez. C'est une carte au trésor et avec des coffres à déterrer. Sur l'île où nous cherchons quoi nos amis. C'est un indice. Ah, zut. Oui, c'est ce que j'avais compris, capitaine, moi aussi. C'est vrai que ça ressemble au visage de votre mère. Avec le crâne fendu en haut. Capitaine, c'est pas le sujet. Allez, c'est par là qu'il faut aller. Je crois que la solution se trouve par ici. C'est sur cette plage, à tous les coups. Regardez comme c'est beau. Capitaine. Oh là là là. À côté de ces rochers, il doit y avoir un premier coffre. Regardez, j'ai perdu de ma superbe, je ne sais plus où sont les coffres. Ça doit être ici. Capitaine. Oh, malheureusement, je ne sais plus creuser au bon endroit. Paquebot Escobar, je crois que je vais devenir fou. Vous êtes capitaine. Est-ce qu'on est au bon endroit? Descendez, capitaine. Est-ce qu'on regarde... Je crois qu'on en a rien à foutre, Paquebot. Est-ce qu'on est sur le bon côté de l'île, déjà? C'est super bon. Attends, je vais me repérer avec ce palmier. Et si seulement je m'étais pas planté? Oh, un crabe! Un immense crabe! Capitaine! J'ai plus de balles, je ne peux que me battre au corps à corps, c'est un enfer! Punition. Attention! Il est très violent. Rentre chez toi, crabier! Ah! Quel crabier! Oh, vous vomissez partout, vous êtes tout vert! Ça va? Je sais pas si c'est le crabe ou les sangsues que j'ai mangé tout à l'heure, capitaine. Il faut vraiment éviter de manger ce genre de choses, c'est pas hyper sain pour le... Enfin bref, faites ce que vous voulez. C'est tout le contraire. Je vous fais confiance. Je crois qu'on est du mauvais côté de l'île, il s'agirait de... Oh, des poules. Attendez, le crâne fendu. Je suis pas fou. Suis-je fou? J'ai oublié. Est-ce qu'on est au moins sur la bonne île? Quelques poules. Ah, je suis complètement perdu. Je suis près du bateau si tu me cherches! Ah mince! Le bateau! Alors, en parlant de bateau, il faut que je retrouve exactement l'endroit où on est car je commence déjà à me perdre sur ce. Oh! Saphir de sirène maléfique. Capitaine, je vais ramasser le coffre cendré. Fais donc! Alors. Par où est-ce qu'on est arrivé? Ah d'accord, on est là! Donc. Si je me réfère à. Oh, d'accord. Je lisais la carte à l'envers. Les coffres capitaine, sont plus près que ce que l'on pense. Où est-ce que je dois mettre le coffre? Sur le bateau. Allez, je vais chercher les coffres à creuser. Alors, ici, on est là. Capitaine? Ouais, ça doit être ici. Je crois que je me suis repéré. Enfin. Capitaine? J'ai trouvé un premier coffre, enfin. Merveilleux. Je suis enfin redevenu le grand capitaine que je crois être. Vous êtes le capitaine que vous croyez être, capitaine. Exactement, j'en ai jamais douté. Moi non plus, capitaine. Voilà le premier coffre. J'espère qu'il va nous rapporter un bon gros lot de... Tu sais, l'or là, dans les coffres. Je vois totalement, capitaine. Tout ça. Ah. Allez, c'est parti, encore un dernier coup de pelle. Impossible d'enterrer le coffre. Parfait, parce que je voulais absolument le déterrer, ça tombe bien. Coffre de marine, de marin. Ok, je sais pas si on peut l'ouvrir d'ores et déjà maintenant, mais dans tous les cas, il faut la deuxième coffre, qui est plus par là. D'après mes recherches scientifiques, je devrais pas être loin, à savoir ici. Je me suis fourvoyé. Ce rocher était là, donc... Ah, c'est plus compliqué que de chercher ses amis sur une map entière. Le petit bout de rocher qui dépasse là. Donc c'est plutôt là. Ah, Paquebot Escobar va se moquer de moi si c'est que je sais pas creuser des coffres. Quoique, est-ce qu'il s'est déjà moqué de moi? Non, il m'aime trop. Vous êtes le meilleur capitaine. Je l'entends d'ici. Paquebot, je te laisse me faire voir tes talents de pirate en trouvant le dernier coffre de cette île. Non pas que j'arrive pas du tout à le trouver, hein, mais j'ai besoin de savoir si tu es vraiment le meilleur des pirates, capitaine, quoi. Votre confiance m'honore et je vais vous montrer que oui. Vous auriez la carte? Bien sûr. C'est tout à fait.
La voici. Oui, je vois. Il s'agirait de cette rive-là, d'après mes connaissances en piraterie. Donc, c'est... C'est juste ici, capitaine. Exactement, bravo. Oh, encore des sirènes. Je m'en occupe! J'ai absolument pas tapé au hasard, capitaine. Tant mieux, c'est exactement ce que je voulais entendre. Ah! J'ai été blessé! J'arrive, capitaine. Juste après avoir décroché le coffre pour vous montrer que je suis le meilleur pirate. J'en ai jamais douté. Une tomate, délicieux. Ces tomates sont très bonnes, hein. Cette saison, on a de la chance en tout cas. C'est pas le sujet, il faut que je me batte contre cette sirène. Il faut qu'on la détruise. Voilà, maudite sirène. Bon, dans tous les cas... Oh! J'ai réussi à recharger mes armes après les combats. Au moins, je suis préparé pour les prochains. Bon, très bien. Il est temps de mettre les voiles, j'ai l'impression. Cette île a été retournée de fond en comble. Je vous le fais pas dire, capitaine. Je mets tout ça dans le coffre. De ressources. Et voilà. Bon, ceci étant fait, je fais un dernier petit tour histoire de vérifier que tout est bien et qu'on n'a pas un seul on n'a pas un seul oubli sur cette île. Et après, on pourra repartir en mission. Capitaine, voilà qui me réjouit. Capitaine, une huître sauvage. Ah non, un homme huître. Il est temps de lui faire sa fête. Ah, je serais très contrarié si t'arrivais à le tuer avant que je le tue. Ah, c'est bon. Vous êtes vraiment le meilleur, capitaine. Merci, 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 ça fait plaisir. Bon, ceci étant fait, je suis persuadé d'avoir laissé un de mes derniers amis sur cette île. Il faut absolument qu'on arrive à le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Ce serait fâcheux. Mais capitaine, je suis votre ami. C'est vrai que la petite voix dans ma tête m'a fait remarquer que c'était un homme palourde et pas un homme huître. Je me suis fourvoyé, encore une fois, c'est pas dans mes habitudes d'être aussi... Quel qualificatif. Vous êtes vraiment fait en l'air, capitaine. C'est vrai que je suis tête en l'air, mais le dis pas aux autres, s'il te plaît, ça reste entre nous. Jamais, capitaine. Ça restera aussi notre secret. Vous voulez un bout de poulet? Non, je préfère le cuire avant, évidemment. Pour éviter tout ce qui est vomissage. Quoi ? Il faut cuire la nourriture normalement, et on a les capacités pour le faire. Si vous le dites, capitaine, c'est vous le meilleur, mais... Vous perdez beaucoup de protéines. Allez, il est temps de mettre les voiles. Où est-ce que t'as mis les coffres précédents ? Ici ? J'ai une question pour toi, Paquebot. Oui. Est-ce que tu trouves ça rangé? Tu trouves que le désordre va sur ce navire magnifique? Il y a quelque chose qui te choque ou pas encore? Mais c'est-à-dire, capitaine, que je voulais les mettre dans la cabine là-bas, mais... Mais... Alors comme ça, on pille les îles, hein? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon bateau? Je veux dire, j'ai... qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Calme-toi, jeune matelot. Vous êtes le capitaine que j'ai vu dans mon rêve? Tu ne voudrais pas croiser le fer avec moi, cher ami. Alors calme-toi dès à présent. Que faites-vous sur mon navire? Qu'est-ce que vous voulez? Mon cher ami, je suis le capitaine Jack Avery. Enfin, c'est bien vous. J'ai été trahi. Et j'ai maintenant pour seule enveloppe charnelle ce corps. Qu'est-ce que vous voulez ? D'os et de vide. Je vous trouve très séduisant, vous savez, mais qu'est-ce que vous voulez de nous ? Nous sommes que deux sur ce pauvre navire. Vous voulez notre argent, notre or ? Regardez, tout est là. C'est notre dernière ressource. Ça ne m'intéresse pas ce que je souhaite, c'est retrouver mon corps. Et mon équipage. Et même mon navire. Je vois, je vois. En tout cas, je sais pas ce que vous attendez exactement, mais... Nous ne sommes pas en capacité actuelle de... Attendez-vous que vous m'aidiez à retrouver mon équipage. Ok. Je vais donc prendre possession de ce navire. Après l'entrée de mon bâtiment. Je ne vous laisse pas faire de cette façon, car... Ah, vous voyez mon disciple juste là, je ne peux pas ne pas
remettre en question cet acte de barbarie et de piraterie pure et dure. Je dois vous combattre. Est-ce qu'il est là, le gros? Est-ce qu'il est là? Il est là, le gros? Bon, cher ami, je pense que nous sommes plus que deux. Nous allons devoir nous battre. Bon. Alors. Soit. Paquebot? Attendez, parce que on peut vous aider, mais... normalement, j'ai un acolyte qui doit être... Bon, écoutez, ça m'embête fortement ce que vous faites, mais je crois que j'ai pas le choix de vous aider pour le moment, étant donné que j'ai perdu mon seul acolyte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, mon cher ami? Aidez-moi à retrouver mes matelots, mon corps et mon navire. Et je vous laisserai peut-être en vie. D'accord, et comment vous voulez que je sache par où on commence dans toute cette histoire? Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Eh ben, je vais me faire un plaisir de vous le narrer. Mais il est fou, ce type. Mais attendez, mais vous voulez vraiment qu'on sillonne les mers tous les deux à bord de ce magnifique bateau que j'ai acquis à la sueur de mon front? Tous les deux? Sans mon très cher paquebot Escobar? Où est-ce qu'il est, ce con? Ah, vous avez vu? Un homme pas lourd est en train de nous attaquer et vous voulez qu'on sillonne les mers ensemble? Vous, un pirate maudit qui est venu dans mes cauchemars? Et moi, le plus grand capitaine de toutes ces îles, de toutes ces eaux? J'étais le plus grand capitaine de toutes ces îles et toutes ces eaux, comme vous aimez le dire. Ah ouais? Pourtant, pas beaucoup entendu parler de vous depuis que mon règne a commencé, si je puis me permettre. Permettez-vous, mon cher ami. Mais j'étais là bien avant vous. Ah ouais? On peut savoir quel âge vous avez, peut-être? Je ne connais pas mon âge, mais ça n'a rien à voir. Vous avez pas de carte d'identité, quelque chose? Non, je l'ai perdue, elle a coulé avec mon navire. Bien sûr, elle était dans votre poche, évidemment, et je comprends. N'empêche que, à deux, on va pas faire long feu, si vous voulez ce que je veux dire. J'ai perdu mon seul et unique rescapé, qui n'était même pas de mon navire de base. Et j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il a pu être. Eh bien, trouvez-le. Car sans lui, nous ne retrouverons pas mon corps. C'est vrai, c'est la clé de toute cette histoire, c'est ça que vous voulez dire? Ce cher paquebot Escobar, l'élu, qui pourrait sauver votre corps et votre peau? Si c'est vrai, on n'a pas beaucoup de chance d'accomplir cette mission. Il est clair qu'à deux, nous ne parviendrons jamais à manœuvrer ce bâtiment. Bien qu'il soit très beau, je veux le dire. C'est gentil de votre part, vous n'êtes pas simplement cruel, vous êtes aussi un homme de goût. Évidemment, je suis le plus grand pirate que tous les temps. Ça reste à prouver, mon cher ami, car je suis, moi, avec ma vraie peau et mon vrai bateau, encore titulaire de ce titre à présent. Ça reste à prouver, mon cher, on restera en rivalité tant que cette question ne sera pas répondue. Mais je dois avouer que vous avez une sacrée prestance et que je me chie un peu dans le froc à l'idée de vous combattre, mais c'est une autre histoire. Où est mon acolyte? Il faut que je le retrouve. Vous avez tout à fait raison. Trouvez-moi ce putain de matelot! J'ai l'impression qu'il a disparu aussi vite que je vous ai vu, comme s'il s'était chié dessus. Mais ça ne lui ressemble pas du tout, c'est un... brave... un brave matelot. Où est-ce qu'il est, bordel de merde? Paquebot! On a besoin de toi! T'es où, mon gars? Paquebot! Y'a un pirate sanguinaire qui veut mon cul! Reviens! Je peux pas m'en sortir tout seul! Tout est sous contrôle, monsieur le pirate maudit. Je suis en train de gérer l'affaire. Tout va bien. Ouais, je ne fais que constater votre incompétence, mais continuez. Mince, où est-ce qu'il est passé, cet abruti? Merde, on a un vrai problème. Bon, dans tous les cas, on peut commencer l'aventure de ces retrouvailles de votre corps par un cap que vous auriez probablement. Je pense que si vous êtes amené à kidnapper mon bateau et tout son équipage, c'est que vous savez où aller, non? Malheureusement, je... Ah!
Ouais, percé à jour. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où est mon corps. Je ne sais pas où est mon navire. Je ne sais pas où sont mes membres d'équipage. Je sais simplement que je dois les retrouver. Et bon. C'est pour cela que vous devez m'aider. Vous avez demandé à d'autres gens, peut-être qu'ils seront plus qualifiés. Non, c'est de vous dont j'ai besoin. J'ai entendu parler de vous dans vos exploits passés. Ah, je vois que ma réputation précède. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas été choisi parfaitement au hasard. Force est de l'admettre. Mais oui. Bien, j'aime ce retournement de situation intéressant. Moi, et sachez que moi je n'ai pas été maudit par une malédiction, mais j'ai perdu également mon équipage ainsi que mes compagnons de route. Mais ce qui est compliqué, c'est que nous deux, immobiles sur la mer, de nuit, face à l'adversité, on risque de pas aller bien loin. Eh bien, je vous propose un marché, l'ami. Trouvons nos membres d'équipage. Oh, regardez qui vient d'arriver. Paquebot ! Mais t'étais où ? On t'a cherché partout ! Ah, vous savez, on a du mal à se remettre de nos émotions. Il nous arrivait pas mal de bricoles ces derniers temps. Paquebot, j'espère que tout va bien. En tout cas, sache que cet individu, très charmant et très gentil, nous propose ses soins, ses services. Si vous permettez, je vais parler avec mon associé et je vous invite à rejoindre la cabine qui est juste en dessous. Bien, mais pas de mutinerie. Évidemment, monsieur. Paquebot. Tout va bien ? Paquebot ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Remonte sur le bateau, j'ai hâte de parler. Sache que je n'entends guère ce que tu prononces. Tu as l'air d'avoir un chat dans la gorge assez prononcé. Je n'entends aucun de tes mots, mon cher ami. Il est temps que tu reprennes la parole et que tu remontes sur ce bateau. Enfin, Paquebot, mais tu joues à quoi ? De quoi on a l'air ? Je ne peux pas t'envoyer de cordes, ni de chevelure, car je ne suis pas réponse, quoi que ça veuille dire. Mais remonte sur ce bateau, dépêche-toi. On est coincé sur cette île, il y a des fantômes. Ah ! Paquebot ! Ah, j'ai plus de balles. Paquebot, il faut qu'on parle. Délie-moi cette langue. J'ai plus que toi sur qui compter actuellement, il faut que tu m'aides. Il y a des... Hey, le pirate maudit dans ma cabine. Ah. Il m'entend pas. Ah. Oh pardon, excusez-moi, j'étais... Je m'étais assoupi, qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer par des fantômes, vous sauriez pas si ça a un lien avec votre malédiction par hasard? Malheureusement je n'en sais rien. Je me suis réveillé dans cette enveloppe charnelle. Sans mon équipage, sans mon navire, sans rien. Et bah dans ce cas-là, on est avancé au même endroit. Je crois qu'on n'a pas le choix de collaborer. Malgré vos méthodes qui ne me plaisent guère, on va devoir faire un bout de chemin ensemble, j'ai l'impression. Malheureusement, je crois que vous avez raison. Bon, en tant que double capitaine d'un bateau à manœuvrer à plusieurs, on devrait s'en sortir, non? Je pense que c'est le cas, effectivement. Il faut que je retrouve la mémoire, il faut que je retrouve comment j'ai perdu ce corps. Vous savez, nous sommes bien différents et nous sommes en concurrence pour savoir qui est le meilleur capitaine de toutes ces îles, mais je crois que nous nous rejoignons sur un point néanmoins. Et ce point, c'est que nous cherchons tous les deux la même chose. Notre passé. Un équipage. Et exactement. Passé, effectivement. Et cet enfoiré de paquebot est encore disparu, il va... Bon, c'est pas grave. Je vous invite à trouver un cap dans les plus brefs délais afin de partir d'ici. Paquebot ! Capitaine ! Mais... Ah, te voilà enfin! Capitaine! Mais... attendez, j'ai à parler à mon acolyte, du coup, je... Merci de nous laisser en capitaine. Intimité. Paquebot! Tu m'as fortement déçu, j'ai été dans l'embarras. T'étais où? Capitaine, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment habitué à voir des corps cadavériques? Oui, j'entends, mais vous savez, sur les mers de cet endroit qui est Sea of Thieves, eh ben, y a plein de créatures. Enfin bref, c'est pas le sujet. Vous étiez où, nom d'une pipe? Capitaine, j'ai pas envie de t'en parler. J'ai honte de moi, capitaine. Et ça ne se reproduira plus. Je ne veux plus que vous me laissiez dans un pétrin pareil. J'étais avec un pirate maudit en 1v1 sur la coque de mon propre bateau. Et vous devez m'aider. Je ne dois pas perdre les pédales face à son charisme énorme et son flot démesuré.
Vous avez raison, capitaine. Merci, Paquebot. Ça ne se reproduira pas. Attention capitaine, à son charisme, si on le regarde plus... C'est quand même votre préféré, même s'il y a un autre membre dans l'équipage. Hein. C'est pas vraiment un membre. Je te signale qu'on est un petit peu pris en otage. Mais, bon, monsieur... attention, dernière chose, ne le regarde pas trop longtemps dans son œil de verre, parce qu'il pourrait te pétrifier. C'est des choses qui arrivent, j'ai entendu ça dans mon rêve. Souviens-toi, ce rêve, tu te rappelles, ce matin, je t'ai parlé d'un rêve que j'avais fait, et c'était lui dedans. C'est notre destinée, c'est notre destin. Capitaine, je sais pas si c'est vraiment mon destin, je peux pas aller regarder du côté... Enfin... Bref, en tout cas, je compte sur toi pour faire tout ce qui est nécessaire. En tout cas, allons parler à cet individu. Je t'en prie, va te présenter. Et surtout, ne te chie pas dessus, je n'ai qu'un seul autre pantalon à te prêter pour le reste de l'aventure. Monsieur le pirate maudit, je vous présente mon acolyte actuel, Paquebot Escobar. Bonjour. Ah, vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous... Non, vous êtes... Bonjour. Là, c'est gênant. Vous m'avez dit, capitaine. Non, je ne regarde pas dans son œil plus de 3 secondes. Vous êtes en train... Non, mais vous pouvez... Enfin, c'est gênant pour tout le monde. Enfin, arrêtez. Bref. Parce que c'est vous, capitaine. Bonjour. Voici notre invité d'honneur qui s'est fait le plaisir de s'incruster lui-même. Jack, de son nom complet. Appelle-le Jack, ok ? Il est où ? Il est là. Appelle le capitaine Jack. Voilà. Très bien. Monsieur, le soleil se lève, je pense qu'il est l'heure de reprendre la route. En tout cas, à votre guise. Il est pas beaucoup bavard lorsqu'il est avec toi, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Ouais. Oh, pardon, excusez-moi, capitaine, j'étais encore en train de ruminer mon passé, je suis là, excusez-moi. Bonjour. Bien, ok. Bonjour mon cher Paquebot. Ah. Bonjour. Bonjour mon cher... Bonjour capitaine. Jacques. Bonjour également. Ne lui fais pas trop confiance, ne te confie pas trop à lui, je te rappelle que le capitaine c'est moi. Il pourrait rentrer dans ton cerveau et te faire avaler n'importe quoi. En tout cas, je te rappelle que nous sommes en présence d'un individu qui nous a pris en otage et faisons comme si tout était normal. Alors, capitaine... Vous avez une banane, mon cher. Non, mais voilà, regardez, il vous propose un petit déjeuner, c'est quand même de l'hospitalité qui ne se refuse pas. Merci, cher ami. Justement faim. Capitaine, vous voulez une banane ? J'ai des tomates, ça va le faire. Mais vous êtes encore en capacité d'avaler des aliments avec votre corps. Assez pour Émile, je veux dire. Bon, bref, mettons le cap quelque part et il faut qu'on bouge d'ici. Je vais faire du tri. Paquebot, je te... Mon équipage, mon cher. Je t'invite à ranger les trésors dans cette pièce pour être tranquille. Bien sûr, capitaine. Bon, trouvons votre équipage et trouvons mes acolytes également. Oui, par quel... Car nous sommes entrés dans... Oh. Capitaine ? Oui. Il y a des tonnes de puissance ici. Très bien, on va pouvoir avoir de la lecture pour les trajets, c'est chouette. Nom d'une pipe, qu'est-ce que je fais avec tous ces idiots sur mon bateau, moi. Ah. Ici. Hop. Que quelqu'un... Notre bateau, mon cher. Oui, voilà, tout à fait, notre bateau. Ouais. Notre crâne ici. Hop. Bon, mettons le cap quelque part. Ça fait trop longtemps qu'on est amarré ici et ça commence à être suspect. J'ai l'impression qu'il faut qu'on bouge. Alors partons. Trouvons un cap. Le plus vite possible. Alors. On est à Barclay. À Barclay, ok. Nous avons un avant-poste non loin d'ici. On pourrait peut-être demander l'avis aux gens s'ils ont une idée de quoi que ce soit. Ça pourrait être un premier pas. Eh bien, sachant que nous n'avons aucun indice, n'importe quel indice est bon à prendre, alors allons-y. Très bien, mettez le cap. Sur le sud-sud-ouest. Sur le sud-sud-est. Là-dessus, c'est my bad. Sud-sud-est et on va pouvoir demander un peu aux gens ce qui se passe. Je vois que tu t'es mis directement à la cuisine. Oui. Bien, c'est très bien. Capitaine, je fais du serpent. Chouette. C'est la grand voile, matelot. Nous sommes en partance pour le nouveau cap. Allez, c'est parti. La voile avant est mise.
pourquoi n'avance-t-on pas? L'ancre est pourtant levée. Vous avez amarré votre navire sur le fond. Oh. Mais vous ne savez donc pas barrer votre navire? Si, mais enfin. Vous savez qui je suis, ça a dû être un problème lié avec la mouvance des mers, enfin, c'est naturel. Ça doit être ma faute, capitaine. Oui, voilà, c'est sûrement Paquebot qui a fait une fausse manip. Vous savez, il est encore débutant, il a besoin de s'émanciper un peu. Il fait des erreurs. Allez, direction le sud-sud-est. Ouh, allez. Hurrah. Je le fais rentrer dans notre jeu. Applaudissons-le. Ouh, on est ensemble. Ouh. Yeah. Bravo, vous barrez comme un professionnel. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Vous êtes presque meilleur que le capitaine. C'est parce que c'est le cas, mon cher ami. Oh mon dieu. Paquebot, attention à ce que tu dis, je t'entends. Galion, capitaine. Galion à tribord. Galion squelette, d'ailleurs. Oh, intéressant. Ça faisait longtemps. Ces maudits squelettes sont encore parmi nous. N'y voyez pas une offense, hein. Et j'imagine que vous n'êtes pas vraiment proche avec eux. Non, puisqu'il s'agit de leur capitaine qui m'a donné cette forme. Ah, je vois. Remontez les voiles, on arrive bientôt. Je suis capitaine. La bonne île ? Oui. Nom d'un petit bonhomme sucré au sucre. On est déjà arrivé. Et quand un réel capitaine prend les commandes, tout va pour lui. J'aime pas vraiment le ton que vous employez. Je suis un vrai capitaine, j'ai juste perdu mes moyens, vous savez. C'est des choses qui arrivent. Le capitaine a juste perdu ses moyens, c'est quelque chose qui arrive. Exactement. Eh bien, vous feriez bien de retrouver vos capacités d'antan pour que nous puissions collaborer de la meilleure manière qui soit, mon cher. Ouais, je vais chercher des infos, en tout cas. Est-ce que les habitants classiques ont l'habitude de vous voir, ou est-ce que vous feriez mieux de rester caché? Attendez. Oh, le frein à main, bravo. Très beau frein à main. J'avais pas vu ça depuis un certain moment, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Habituellement, je me cache, mais je crois que... Pour trouver la fin de cette histoire, je vais devoir me montrer. Très bien. Terrorisez pas la foule, on a besoin d'eux. Mais vous savez, il y a déjà une pirate maudite qui est sur la plage, donc à mon avis, ça devrait pas poser problème. Capitaine, c'est moi qui ai mis le feu. J'arrive alors, mon cher. Mon cher ami. C'est bien, Paquebot, je suis fier de toi, mon grand. Casse les couilles, celui-là. Merci. Bonjour, demoiselle. Bonjour, ma petite dame. Auriez-vous quelconque information à me donner? Tac 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 tac. Oh! Joli, joli. Vous êtes en train d'essayer de me vendre des armes là? C'est pas du tout ce que je suis venu chercher. Il est où? Oui, je la tue, capitaine! Non, laisse-la tranquille, enfin, on n'est pas des sauvages. Pardon, capitaine, désolé. Alors. Bonjour monsieur! Promotion? 100 000 balles? Oh ouais, c'est pas donné vos conneries là. Ah, je vois. Bon, écoutez. Je vais faire un tour à la taverne, peut-être trouverons-nous plus de monde. Enfin, si je la trouve. Où est Paquebot? La taverne. Merde, où est Paquebot? Il a encore disparu. Où est cette Paquebot, je suis sur la plage, rejoins-moi. Bonjour mesdames et messieurs. Ah, où est-ce qu'il est ce con? C'est pas possible, j'ai jamais besoin de lui et quand j'ai besoin de lui, il est jamais là. C'est fou ça. Oh!
Génial. Bon. Merci, c'est pas exactement ce que j'étais venu chercher à la base, mais je prends. De toute façon... Ognez, ognez, très chers habitants de cette bourgade. Je suis le capitaine Jack Avery. Et j'aimerais retrouver mon équipage. Si quelqu'un a une quelconque information au sujet de mes matelots et de mon navire, qu'il se manifeste ou se taise à jamais. Paquebot, putain, il disparaît à chaque fois que j'ai besoin de lui, c'est fou ça, c'est fou de faire ça. Ah, oh, si seulement j'avais un membre de mon équipage. S'il vous plaît, le jeune Paquebot, il recherche... pardon, bah, enfin... Oui, Paquebot. Paquebot a encore disparu. Écoutez, monsieur Jack Avery, on va avoir du mal à naviguer si nous ne sommes que tous les deux. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations. Mais je peux vous proposer quelque chose. Retrouvez-moi en bas, je suis là. Ah, c'est bon, je vois. Qui a dit ça? Qui? Ah, vous êtes là. J'ai proposé à ce très charmant collectionneur d'or, il voudrait nous donner... Il a des infos à nous donner, mais malheureusement, il voudrait que nous soyons émissaire 5 avant de nous donner quelconque information. Donc je pense que c'est une bonne piste. Bien. Encore un arnaqueur, bien. Malheureusement, on peut rien faire contre lui. Bonjour, cher ami. je sais, vous voulez construire l'émissaire, et ben... Faisons cela, alors. Alors déjà, il faudrait... venir côté, hop là. Tout à fait. Écoutez, monsieur, vous êtes... Vous savez, les habitants de ces avant-postes sont des êtres un peu spéciaux. On ne peut rien faire contre eux, même sous la menace. Ils sont... Je rêve ou j'ai entendu quelqu'un ronfler? Mais j'ai entendu une voix tout à l'heure qui m'a parlé. Enfin, il m'a dit bonjour ou quelque chose comme ça. J'ai des hallucinations depuis peu. Vous savez, c'est très étrange. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous devons partir si on veut des infos. Ces êtres supérieurs que sont les gens de l'avant-poste pourraient nous donner des infos. Je sais qu'on peut rien contre eux, vous comme moi. Et c'est la seule piste qu'on ait. Alors allons-y. En tout cas, prends un bateau là. J'entends... cette voix me dit quelque chose. Là, je vais me recoucher. J'ai l'impression d'entendre quelque chose, mais... Je suis fou, c'est que moi, c'est vous aussi. Tu l'entends aussi, je ne sais pas d'où ça vient. Et à vrai dire, ça m'inquiète de plus en plus. Allons vérifier sur le navire. Une autre mutinerie? Un membre de votre équipage, peut-être? Oh non, si c'était un membre de mon équipage, je l'aurais reconnu. Où êtes-vous, mon cher ami? Qui êtes-vous, là-bas? Je suis dans le navire, vous êtes qui? On a besoin d'informations, je cherche mon équipage! Comment s'appelle-t-il? Cette voix me dit quelque chose. Je ne vous vois pas, attendez. Je ne vous vois pas, je suis le capitaine Falco, je suis sur le Jigus Imperator et je cherche mon équipage perdu! Impossible, ce capitaine-là il est mort. Mais je vous dis que c'est moi! Il est tombé dans le coma, il est décédé. Impossible. Où êtes-vous? Je n'ai pas d'accès visuel à votre visage. Venez à notre rencontre. Je suis tavernier à présent. Je ne navigue plus sur les mers. Bon, attendez. Comme vous êtes le seul à nous parler, on va venir vous voir. Je crois que j'ai un contact avec la personne qui nous parle. Il faut qu'on y aille. Il est en haut de cette tyrolienne, voyez-vous? Très bien, allons-y. Il faut absolument qu'on retrouve cet individu qui me semble fort familier, mais avec tous ces trous de mémoire, je ne me rappelle plus de rien. Mais pourtant, j'ai comme un choc mental quand je l'entends. Comme si vous le connaissiez. Je crois que c'est une bonne piste. Tavernier, où êtes-vous? À l'intérieur. Mais c'est toi! Impossible.
Mais oh, comme je suis content de te revoir. Mon très fidèle matelot, cuisinier, l'ami Ki, mais comment vas-tu? Ça fait des années, des mois, je ne sais plus. Je suis encore vivant. Tout va bien? Je ne pensais pas te retrouver ici. C'est qui lui? Ah. Non, c'est pas possible, impossible. Doucement, l'ami, rends-moi ce coup de là. C'est une longue histoire, mais cet individu est arrivé sur notre bateau et a demandé gentiment notre aide sans nous menacer d'une quelconque manière. Parfaitement. Mmh. C'est parfaitement résumé. Voilà, tout à fait. Il s'appelle... Rangez-moi cette épée. Il s'appelle Jack... Quelque chose. Avery. Bon, Avery, tout à fait. C'est le pirate maudit qui arrive dans les rêves des gens. Je sais pas si vous avez déjà fait ces rêves, mais... En tout cas, de le voir en chair et en os, ça me fout la chair de poule. Il faut faire quelque chose. Mais bah, vous êtes... En os, c'est en os pour le coup. Là. Oui, en chair et en os, il n'y a pas... très joli jeu de mots. En tout cas... Je vois que vous avez rangé votre très célèbre tenue de Reine des Neiges pour un simple tablier. Ça me fait plaisir de vous revoir. Est-ce que vous souhaiteriez venir sur les mers avec nous pour régler cette affaire? J'avais raccroché pourtant, mais je suis très ravi de vous revoir, donc je suis partant. Ah, parfait. Voilà un membre d'équipage en plus. Mais bon, en tout cas, je me méfierais de lui toujours quand même. Ouais, il faut pas se... Ah. Tout comme moi, mes chers amis. Il est... Hein? Bon, faisons un bout de route ensemble, en tout cas, je crois qu'on n'a pas le choix. Le bateau est juste là. Allons-y alors. Tu sais, l'ami Ki, j'ai croisé il y a pas longtemps un ami qui a encore disparu, qui s'appelait Pacbo Escobar. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Évidemment que je me souviens de lui. Bah, il était avec nous il y a encore peu de temps, mais... Vous savez, ce vagabond a tendance à fuir, mais... On le retrouvera peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est un lèche-botte, mais plutôt utile. J'espère que tout va bien pour lui, dans tous les cas. Je l'ai retrouvé, descendez. Oh. Pacbo. Oh, je croyais l'avoir vu, mais il a disparu. Bon. J'ai trouvé un truc drôle dans l'eau. Dans tous les cas, je suis très heureux de te revoir, Mousse l'Amiki. Un truc drôle dans l'eau. Avec grand plaisir, capitaine. Mais tu te rappelles de ce que c'est? C'est une arme de destruction massive. C'est justement pour ça que je l'ai prise. Bon bah... Je suis ravi de te revoir. Bon, je te laisse prendre ça avec toi si tu veux. Ah mais c'est vous! Pacbo, un petit problème de mutisme. Lié à ses traumatismes passés, il y a un petit problème de mutisme, mais tout va bien. N'est-ce pas, Pacbo? Il s'évanouit, encore. Oh non, il va falloir qu'on le porte jusqu'au bateau. Quelqu'un s'en charge, impossible. J'y vais. Moi, je vais faire des trucs sur le bateau, chargez-vous de... Allez, je me casse. Je ne suis plus qu'un sac d'os, je ne résisterai pas. Sac d'os. Mon baril est plus important que ce maillot. Je comprends. Ah mais y a plus personne, mince. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu venir sur le bateau, toi? Au lieu de dormir, tu dormiras mieux sur le bateau. Qu'est-ce qui lui arrive? Toujours pas par là. Pacbo, reviens! Qu'est-ce qu'il fabrique, ces deux-là? On dirait qu'il a peur. Il se rappelle plus du Mousse l'Amiki, qui n'est pourtant... qu'une très gentille personne, très vaillante. Je pense qu'il faut que tu ailles le chercher, capitaine. Pacbo! C'est le capitaine! Reviens avec nous! Et parle-nous! On a besoin de toi! Ah, oh, ça me fait mal de le dire, mais... Reviens! T'es très utile! Allez, viens! Monte! Bon, est-ce qu'on est au complet maintenant? Est-ce qu'on peut naviguer sur ces foutues mers? Navigons. Nous avons un cap. Oh non! J'avais oublié qu'il fallait plus de votes. Mais voilà. Oh, c'est vrai qu'on a des tomes. Qui ne comptent pas pour l'émissaire, si je ne m'abuse. On aurait pu s'en débarrasser. Mais la taverne est trop loin. Il nous faut un vote. Mais, l'ami qui vous êtes déjà en train de pêcher? À chaque fois que je suis sur un bateau, je peux m'empêcher d'avoir de la nourriture cuite. Je comprends. Je vous ai tendu... une corde pour que vous puissiez avoir un accès plus simple pour aller voter la quête. Quelle quête voulez-vous voter?
Il s'agit de... Ah, non, c'était pour l'émissaire, mais... my bad, on a déjà fait ça, en fait. Revenez. il nous faut... Attendez, je me retire dans mes quartiers, j'ai besoin de réfléchir où est-ce qu'on va. L'équipage de bras cassés. Pas du tout, je comprends pas ce que vous dites. Je vais me permettre de tirer une fusée. Afin de signaler notre position, pourquoi pas. Justement, ça fera plus de chasse pour après. Messieurs, je crois que j'ai trouvé la quête idéale. Une cache au trésor qui devrait nous permettre de monter vite en émissaire. Bien faisons cela. Oh, un poulet. C'est une poule. Une poule. Exactement ce qu'il me faut pour cuisiner. Attendez, je crois que... Je crois que Paquebot n'est toujours pas parmi nous. Paquebot ? Où est-il ? C'est vraiment le bras cassé, le plus cassé de tous les bras. On vient de se retrouver, il commence déjà à me péter les burnes, lui. Paquebot ! Il faut que tu reviennes ! C'est pas ici qu'on dort ! Où est-ce qu'il est ? Il y a un lit en bas ! Un lit en bas ? Il se réveille pas ! Où est-ce que vous êtes ? Derrière le bateau ! Hein ? Il vient de rebouger. Mais... Paquebot ! Vous serez mis en bas, voyons. C'est à ne rien y comprendre. Ce traumatisme qui lui fait se taire à tout bout de champ. Dans tous les cas, j'ai besoin que quelqu'un vienne dans les quartiers et vote cette quête, mes amis. Je suis là. Il n'y a rien à voter. Bon. L'ami qui... Très ravi de vous savoir parmi nous. Beau... J'ai envie de chialer. Oh, c'est peu de dire. Je crois que notre cher Paquebot est abusé du grog. Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas vu depuis qu'il est remonté à bord. Il est dans le fond de la cale. Il dort avec les rats. Mais... Il y a vraiment un problème chez cet individu. Mais Paquebot? Alors, suivons cette boussole. Paquebot ! Réveille-toi ! Mais qu'est-ce que c'est que ce boulot là ? Super. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave, on s'en sortira sans lui. Allez, j'espère. Allez, on chien galeux, levons l'ancre et dirigeons-nous vers le cap. Paquebot, il va falloir qu'on règle ce problème. C'est assez compliqué de pouvoir communiquer avec toi si tu ne parles pas. En tout cas... Aller il se rendort. Vers l'ouest. L'ami qui, en tout cas, je suis désolé de t'avoir amené dans ce bourbier, mais sache que... Tu reviens sur les mers dans des conditions plutôt moyennes parce que ce bateau est pris en otage. Malheureusement, on va devoir faire profil bas parce que... En otage par qui ? Par ce capitaine squelette. Malheureusement, ouais. il va falloir obéir à ses ordres parce que je ne suis plus en capacité. J'ai perdu de ma superbe et je ne peux plus le combattre. Il va falloir qu'on l'aide à retrouver sa forme. Parce que... Parce que ça va être compliqué. Malheureusement, si tu ne m'aides pas, on va être en galère. Vous m'empêcherez pas de faire ce que j'aime le plus. À savoir, la pêche, chasser. La cuisine, chasser. Uniquement chasser. Bon, écoutez, c'est pas... Je n'ai rien contre un bon chasseur. C'est très bien. Bah, dans tous les cas, c'est parfait. Je suis seul. J'ai ramené mon animal de compagnie. Oh, mais oui, c'est cette très chère Mitty. Vous avez la chance de l'avoir récupéré car moi j'ai perdu. Ça fait une 20aine d'années que je l'ai adopté à la taverne et franchement elle fait un sacré boulot pour attirer les clients. Ah bah génial ça, c'est parfait. Je suis très fier de vous. Moi j'ai perdu Donkey Kong et Tidus dans ce naufrage. Je suis triste. Oui, ainsi que notre très cher
notre très cher Mousse le Mousse, qui nous manque tant. Ouais, il se mousse le mousse. Attention, on déteste quand on l'appelle comme ça. Respectons son âme. Justement, j'aime quand il déteste qu'on l'appelle comme ça. Mmh, je comprends. Paquebot. Mmh. Les amis. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je crois que nous allons être attaqués. Mes amis, préparez-vous au combat. Oh, oh, c'est parti. Feu à volonté. À tribord. Mais enfin, l'ami qui vous êtes fou. Oh, je n'ai pas de canon. Oh, je vais me les faire. Oh, je suis un tireur d'élite. Où sont les boulets sur ce satané navire? Ah, bonjour. Nickel. Il pourrait être, j'ai oublié de prendre de la nourriture en abordant ce Ah, génial. Ah, je ne possède plus de boulets sur moi. La caisse de stockage est très utile. Je suis déjà décédé. Attends, je le touche pas, là. Sors, je crois bien. Paquebot, attention, on a pris des coups. Feu à volonté, les amis! Oh oui, j'ai fait des... J'ai l'impression de toucher. Ces squelettes, ils n'arrivent pas à vivre. Ils sont partis. Il faut qu'ils rentrent chez eux, dans le pays des morts. Oh, dans la cale, j'en ai fait. Oh, dans la cale. Rentrez chez vous, squelette maudit. Retournez dans votre pays, les enfers. Y'a pas de place pour vous ici! C'est coulé! Et voilà, stop! Parfait. Ne vous acharnez plus! Le bateau coule! C'est tout ce qu'il mérite! Et le nôtre aussi coule, hein! Ah! Paquebot! Enfin, je vous ai demandé de réparer ce bateau! D'accord, vous êtes traumatisé par ce qui vous est arrivé dans votre passé et vous parlez plus! Oh, merci, Paquebot! Il faut réparer tout de même! J'entends encore de l'eau qui coule, mes amis. Je m'efforce d'écouper. Je répare. Oh. Ah, parfait. Des capitaines de nos rangs, obligés de décoper comme des mousses de premier rang. Bon. Paquebot. Qu'est-ce que tu fais? Ils nous ont laissé de bien belles choses. Ah, génial. Ça va nous avancer dans notre quête. Si vous pouviez orienter le navire un peu plus proche. Évidemment, j'allais le faire sans que vous ayez besoin de me le dire. Dans tous les cas, je suis un capitaine exceptionnel. Alors, Paquebot, moi encore, j'ai soucis dans l'alcool. Ça va pas t'aider. Non, c'est pas le moment de boire. Ah, c'est bien, tout cela nous fera monter l'émissaire bien plus vite que nous l'aurions espéré. Exactement. Ah. Mais Paquebot, range-moi ce tonneau là, il a rien à faire là, il obstrue le passage. Arrête de boire, Paquebot. Je croyais que t'étais mon plus fidèle acolyte. Et merci d'avoir rangé ce tonneau là, Mickey. Paquebot est impossible à reconnaître, il est dans tous ses états. Il a décidé d'être muet par ce satané virus. Il ne tient plus en place, regardez-moi ça. On a des plus grands problèmes que ça. On doit s'unir, on doit se serrer les coudes, messieurs. On a des missions. Il vomit partout. Il reprend la cale. Bon, écoutez, je vous propose de mettre au fer cet enfoiré de Paquebot parce qu'il va tout nous dégueulasser. Et là, il est vraiment pas productif. Paquebot, alors, mettons-le au fer. Au fer. Ça va te calmer si 5 minutes. Permettre, on pourrait lui laisser une chance. Ah, il m'a vomi dessus. Y'a pas de chance qu'il tienne. Aidez-moi à le mettre au fer. Aidez-moi. Il faut que je me lave.
C'est pas contre lui, hein. Ça lui apprendra à nous vomir dessus. Et à plus vouloir nous parler. Mettez-moi cet individu au fer. Il est au fer, c'est bon. Ah, il y a des flaques de vomi dans mon navire. Je le dégrise. Pagbo, je suis très déçu par ton comportement. Tu nous jettes de l'eau en plus. Eh bah très bien. Eh bah reste. Reste là dans ta cage. Tel l'animal que tu es. Maintenant danse. Si tu tiens à la vie. Si tu me demandes, te promontes. J'ai dit danse. Mitty a l'air désemparée. Elle est comme apeurée par la situation. Il s'est endormi. Elle n'est plus habituée malheureusement à monter sur le bateau. Je crains qu'il ait peur de mon arme. Bien. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un cap à suivre. Oh, elle éternue la pauvre. Il est encore tombé dans les pommes. Bon, je vais le laisser tranquille. Je lui rappelle un petit truc à Mitty. Ça va la remettre dans le droit chemin. Mais enfin, vous êtes fou la Mitty. Vous inquiétez pas, elle va se téléporter. C'est vrai. C'est vrai que ce chat a des pouvoirs mystiques, incompréhensibles. C'est pas n'importe quel chat, c'est Mitty. C'est vrai que des c'est Mitty. Eh oui. Et elle est juste ici. Elle est réapparue comme si de rien n'était. Mais c'est très étrange, vous avez une explication à ça, capitaine Jack. Je dirais qu'elle est touchée par la même malédiction que moi, je vais réessayer pour le confirmer. Bien sûr. Ça me rappelle comme Tilius et Donkey Kong avaient la même chose. Est-ce que tous les animaux de compagnie de ces mères sont maudits par ce... Quelle vol d'année. Mitty. Non mais... C'était pas nécessaire enfin. Ah pardon, bon j'arrive alors. Je m'attendais pas à tel comportement de votre part. J'étais à la fois agréablement surpris et c'est tout en fait. Agréablement surpris. Je comprends, je sais pas évidemment. Je prends le mot agréable de vouloir disparaître. Oh non, simplement voir un petit cul de matelot s'envoler vers les cieux, c'est... On aime mon petit cul, visiblement. Ah, vous faites forte impression, la Mickey. C'est comme à votre habitude, ça me plaît. Ah, mes matelots me manquent. Je comprends. En attendant, on a une mission à remplir. Moi, je veux remplir la caisse de stockage. Bien vu. On fonce droit vers la première destination. Ça part rentrer à cette petite île, possiblement sur notre droite, sur notre gauche. Et je crois qu'il y a un autre galion de squelettes là-bas, à bâbord. En tout cas, on risque de pas être tranquille. Effectivement, si je trouve à l'ouest. Si je ne m'abuse, il faut que nous amarrons sur cette île. On avance pas très vite, si je puis me permettre. Je suis assez d'accord. Si je puis me permettre. Bien dit, capitaine. Il disparaît tout le temps. C'est très étrange comme... C'est comme façon d'habitude. Ouais, c'est... Carrément. On est toujours content de le voir, de toute façon. C'est un bonheur. Ça, c'est vous qui le dites. Bien sûr. Allez, on remonte ses voiles et on amarre. Il semblerait que la première destination soit sur notre bâbord. Eh bien, allons-y. Alors, que se trouve... Oh, la nourriture. Et des boules incendiaires, génial. Attention, il y a encore ces individus que je n'apprécie guère sur les plages. Écoutez, je crois que nous sommes sur la mauvaise île. Effectivement. D'après ce log pose qui vient tout droit de One Piece, quoi que ça veut dire, je crois que c'est sur la grande île là-bas. C'est plutôt ça, ouais. Plein ouest. Alors, capitaine, on se trompe de cap ou quoi ?
Ah, je n'ai fait que dire que c'était à l'ouest. C'est vous qui avez suivi, qui avez indiqué cette île comme destination. Vous êtes en train de signifier que je serais un mauvais capitaine. Vous assumez tout seul. Si vous aviez dit oui, j'aurais dit que vous avez raison. Mais j'ai encore dit cette phrase à voix haute, malheureusement. Eh bien, ça ne fait que confirmer ce que je pense de vous. Ah, ça va. Ouais. Pareil. Que vous êtes un excellent pirate, bien entendu. Évidemment. Nous sommes tous d'excellents pirates. Si nous n'étions pas d'excellents pirates, nous serions déjà morts et enterrés. Nous devons nous retrouver sur Croxolo, ne dis pas. C'est fort possible. Je ne suis pas certain de ce que j'avance. En fait, en réalité, j'ai l'impression que nous devons aller à l'opposé. Plein ouest, je dirais. J'aurais plutôt dit... Tout droit, il me semble. J'aurais plutôt dit plein est, en fait, en réalité. Attendez, dans quel sens je me trouve dans le bateau, là? Non, vous êtes sur le bon choix. Pardon, c'est tout droit. J'étais à l'envers. Pour un capitaine, faut tout lui apprendre, hein. Ah, c'est franchement regrettable, hein. Après, peut-être que sa malédiction le jeu des tours, effectivement. Et je crois que ça m'a désorienté. Ça doit être ça, ouais. Elle a bon dos, la malédiction. Où est-ce que ça qu'est-ce que vous insinuez? Il est où, d'ailleurs? Je suis en train de vous guetter. Je ne cherche pas du tout vos points faibles, j'admire votre flot. Rien d'autre. Ouais, c'est... J'aime mieux entendre ce genre de choses. Oh, quel flot. Mon lock pose est en train de s'affoler, j'ai l'impression. Est-ce que je peux vous proposer du serpent cuit? Oh, bah alors là. Avec grand plaisir. Ah, attendez, il faut que je mange une tomate parce que j'adore ça. Miam, je peux prendre votre serpent à présent. C'est bon, j'aime ce physique. Oh, il est cuit à la perfection, comme je les aime. Oh, messieurs, je crois que nous sommes attaqués par un gros poisson. Des métaux! Mégalodon en poupe. Je prends la barre, occupez-vous de lui faire sa fête. C'est le noir, il est très rare. Ah, vous y connaissez en chasse et en pêche. On vous appelle le chasseur-pêcheur. Effectivement. C'est écrit sur votre page Wikipédia, quoi que ça veuille dire. Voilà. Parfaitement. Maintenant, nous avons un problème. Quel est-il? Nous n'avons plus de boulets de canon. Mais si, j'ai tout mis dans la caisse de stockage sur le pont. Ah, d'accord. Je me suis permis ça. Évidemment, vous êtes sur mon navire et vous aviez cette habitude à l'époque. On va garder les habitudes que le vrai capitaine de ce bateau a engrangé depuis toutes ces années. Bien. Ce que je peux proposer, c'est que le mégalodon soit à droite et qu'on lui harponne. Oh, excellente idée. J'ai plus de balles. Il est trop loin. Si seulement Pablo était là. Il est où? Paquebot, le magnifique paquebot. Il nous manque. Tiens, prends ça. Je n'ai jamais vu de couleur de poisson aussi jolie. En tout cas, noir et rouge, c'est très très esthétique. Il est magnifique. Ça me touche. Abattez-le ! Et nous aurons un frigo bien rempli pendant des mois et des mois, quoi que ça veuille dire. Je n'ai pas l'angle. Mais enfin, capitaine, vous ne savez pas tirer avec votre fusil? La honte. Bien sûr, je sais. Mais les canons sont bien plus efficaces contre ce genre de... C'est vrai, mais les ressources en termes de boulets de canon sont plus précieuses que nos chères balles, que nous pouvons refabriquer à l'infini. Il est vrai. Mais dans tous les cas, pas de panique, on a de quoi faire. Il est vif, mais il n'est pas si dangereux que ça. On dirait qu'il va pas nous attaquer de sitôt. Où est la caisse? Je pense qu'il va nous attaquer sur notre droite. Mitty a l'air d'être affolé. Oh, la pauvre Mitty. Pas s'inquiéter pour Mitty, elle a l'habitude. Où est cette foutue caisse de munitions? Elle est sur le pont. Enfin, ouvrez vos yeux.
en a plus, merde. Attention, il arrive! Cramponnez-vous quelque part! Tirez! Tirez dessus! Ah! Le navire! Réparez mon beau bateau! J'ai plus de planches! Ah, ce salaud! J'espère que tu vas nous cuisiner ça bien en beauté, mon petit Lamiki! Ah, comme à mon habitude! Ah, génial! Oh oh, j'entends des choses qui ne me plaisent guère! Ça pisse un max! Où sont ces satanées planches sur le pont aussi? Il est parti. Non, oui. On peut pas le laisser filer. Voilà. Pas après tout ce qu'on l'a fait. Pour l'abattre, on peut pas. Il revient. Je l'ai perdu. Il est là. Attention! Ah, cette fois, il est vraiment énervé. Ouais.